Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer toutes les cartes que j'ai faites avec les Daikoko Rosa que j'ai eues lors du partenariat, donc au mois de juin. J'ai pas eu la possibilité de tout filmer, voilà, mais par contre, voilà, j'ai quand même un petit peu travaillé et je vais vous montrer tout ça. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Voilà, tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon été, de bonnes vacances aussi. Alors, je vais vous montrer les dies et les créations faites avec. Voilà, j'ai tout récupéré. Alors, avec ce die, alors je vais vous les sortir peut-être de la pochette. Je vais le faire avant, je suis désolée pour le bruit. Hop, donc celui-ci, on va mettre une petite feuille blanche derrière. Bon, ça ira. Voilà, donc cette matrice. J'avais fait une découpe comme ça de test. J'ai fait, alors c'est pas ce que je préfère, mais bon voilà, je vous les présente quand même. Donc j'ai fait deux petites ATC où vraiment voilà, j'ai voulu laisser ressortir le die. Voilà, il est un peu plus large que l'ATC en elle-même. Je l'ai replié derrière tout simplement. Alors voilà. Allez, je le range. Voilà, je rangerai tout ça après, c'est pas grave. Ensuite, donc la matrice de train, je vous l'avais déjà montré lors de la vidéo du haul. Donc j'ai fait cette carte-là. Ensuite, donc avec cette matrice, j'avais fait ça, je vous l'avais montré également. Ensuite, donc avec les dies de champignons, donc c'est celui-ci. Voilà, j'ai gardé la découpe que j'avais faite en test en fait, et je m'en suis servi pour faire ma carte tout simplement. Donc, alors c'est comme ça plutôt. Voilà, et les petites portes. Voilà, donc avec, j'ai fait voilà, sur les tons de l'automne avec. Du papier directement, j'ai pas maté, j'ai juste fait un cadre autour avec un stylo doré. Voilà, ça vient de planches de tampons que j'avais acheté sur AliExpress. Et ce tampon-là, je l'avais eu dans un magazine de scrap, je sais plus lequel, hein, sincèrement. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc avec cette matrice, donc l'arabesque et les petites fleurs, on la voit bien en fait, hein, sur la carte. Donc j'ai fait ça. Voilà, j'ai tout mis dans des films, dans des pochettes plastiques en fait. Voilà, donc pas grand-chose. J'ai simplement fait des petites éclaboussures avec de l'encre dans un premier temps. Et puis ensuite, donc j'ai fait deux découpes dans deux papiers différents. Les papiers, je les ai teintés simplement avec de l'encre en spray, tout simplement. J'ai fait mes découpes dedans. Pareil pour les petites fleurs. Je suis venue les coller. J'ai rajouté juste un petit sticker d'un oiseau, comme s'il était posé sur l'arabesque. Et donc mon tampon libre comme l'air. Ensuite, le die lierre. Donc la carte que je vous avais montrée également, Amitié, qui est embossée et qui est un peu bombée. Voilà, après, voilà, je sais que normalement il se présente dans l'autre sens, le dailer, c'est-à-dire que cette partie se trouve en haut avec le lierre qui descend. Moi j'avais envie de le représenter comme ça. Et enfin, ma préférée, donc avec ce die de fleurs. Voilà, ça c'est vraiment la carte que je préfère dans tout ce que j'ai créé avec les dies de Coco Rosa. Donc là j'ai pris de l'encre, j'ai fait un dégradé dans plusieurs couleurs. Ensuite j'ai découpé ma bande de fleurs. Je l'ai embossée avec de la poudre juste brillante, hein, transparente. Comme ça on garde les couleurs mais ça les rend encore plus vives. Avec un tampon de tache, donc j'ai fait ces deux petits tamponnages, sortir ces couleurs et se laisser aller. J'ai rajouté des petits strass, un peu d'encre en fond en jaune tout simplement, je voulais, et un peu sur les bords également. Un petit peu de paillettes sur les cœurs des fleurs.
Et voilà, j'ai simplement posé mon fond de carte sur ma base en bleu. Voilà, ça c'est vraiment la carte que je préfère. Et vous, quelle est celle que vous préférez? Dites-le-moi en commentaire. Pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage pour continuer. Et puis comme ça, voilà, je sais un petit peu aussi ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour d'autres créations. Je pense que ce sera plutôt vers le mois de septembre puisque là je vais être en congé. Eh bien voilà, prenez soin de vous. Surtout faites-vous plaisir. À bientôt. Bisous bisous.